Aujourd'hui les amis, on est sur Bookamon RP et je vais tester la fidélité de mon couple. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu veux apparaître sur la liste. Bon allez, c'est parti. Oh, il est en train de dormir, ça tombe super bien. Bon, il a posé où son téléphone? Il est là. Oh, super. Bon, je vais regarder un petit peu dans les photos. Que des photos d'eux? Mais pourquoi il les met pas sur Instagram? Bon, vous savez quoi? On va regarder ses archives. Bon, rien de spécial. Il fait juste un peu la fête. C'est bon, je vais reposer son téléphone. Je crois que j'ai une idée. Je vais appeler Mini Darkito. Allô, Mini Darkito? Mais j'étais en train de dormir. Tu me réveilles là, Miss Darkito. Qu'est-ce que tu veux? J'espère que vraiment que c'est important. Parce que là, tu me réveilles en pleine nuit. Bon, il faut que tu sois là au réveil de Darkito et je te donne plein de Robux si tu le fais. Mais si je fais quoi? Attends, en fait, j'ai un super plan. Il faut que tu te déguises en fille. Mais j'ai quoi à y gagner, moi? Je vais gagner des Robux? Oui, plein de Robux. 10 000 Robux. Bon, c'est d'accord. Je vais me déguiser en fille tout de suite. Bon, les amis... vite, on va aller se déguiser en fille. Mais comment je vais faire pour m'habiller en fille? Bon, j'ai une idée, on va enlever la tenue de sandwich. Mais je ressemble à ça? Bon, on va se mettre des cheveux longs. On va mettre les cheveux violets comme ça. Oh non, c'est vraiment pas beau. Ça me va pas du tout. On va mettre ça. Oui, ça c'est beau. Bon, on va quand même mettre des vêtements de fille. Un truc bien qu'il pourrait bien aimer. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer, Darkito? Peut-être ça? Oh non, mais qu'est-ce que j'ai comme haut? Ouais, comme ça, je suis assez mignonne en vrai. Attendez, je vais chercher notre tenue, peut-être un petit peu plus légère, parce que là on est en été quand même. Ouais, bon, peut-être comme ça alors. Peut-être qu'il aimera. Bon, et pour pas me reconnaître, est-ce que je peux mettre des lunettes? Oh non, je crois qu'il n'y a aucune paire de lunettes qui me va. Oh non, mais c'est vraiment pas beau comme ça. Ah ouais, c'est vrai, les filles, elles ont un sac à main. Il me faut un sac à main, attendez. On va se mettre avec un petit sac à main. Oh non, il est pas beau celui-là non plus. Peut-être lui. Oh non, il est vraiment pas beau aussi. Bon, c'est pas grave. Oh non, mais ma tête, ça va pas du tout. Oh, faut que je trouve du maquillage. Bon, c'est pas grave, on va se maquiller ici. Hop, là, 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 là. Oh, regardez comme je suis belle. Oh là là. Là, il va y croire à 100%. Bon, c'est parti, on va aller voir Miss Darkito. Oh là là, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi elle me dit de faire ça. Mais bon, pour 10 000 Robux, c'est pas grave, on va quand même le faire. Miss Darkito, j'arrive. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis une fille. Miss Darkito, où est-ce qu'elle est? Miss Darkito? Mais Miss Darkito, regarde, c'est bon. Mais c'est qui? Mais t'es qui? On se connaît? Bah, tu m'as dit que j'avais 10 000 Robux si je m'étais mais je suis en fille, quoi. C'est bon, j'ai mes Robux, s'il te plaît. C'est moi, Miss Darkito, tu me reconnais pas? Oh, mais oui, mais t'as super bien réussi. Je suis sûre que Darkito, il va même pas te reconnaître. Bon, c'est vraiment parfait. On va pouvoir réaliser mon plan. Bon, par contre, t'es un peu trop petite. Je pense que Darkito, il aimerait que tu sois un petit peu plus grande. Pas de problème. Comme ça, je pense que c'est bon. Bon, là, vraiment, le déguisement, il est parfait. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que t'ailles dans le lit avec Darkito. Et vu qu'on est bientôt le matin, il va se réveiller à côté de toi et on va voir comment il va réagir. Oh là là, j'ai vraiment trop hâte. Bon, allez, moi je vais me cacher. On va se mettre juste là. On va voir ce qui se passe. Bon, trop fastoche. De toute façon, j'ai déjà dormi plein de fois avec Darkito quand on habitait ensemble, donc c'est parti. Moi, pour moi, c'est vraiment trop simple. Allez, on va pas faire trop de bruit. Je pense que là, c'est bon. Oh, mais il commence à faire jour. Bientôt, il va se réveiller. J'espère quand même que Mini Darkito va pas faire trop de bêtises avec Darkito. Mon amoureux. Mon amoureux. Mais c'est qui? Bah, c'est moi. C'est moi. Mais qui ça? Bah c'est moi, Charlotte. Tu me reconnais pas? Mais t'as drôlement changé. T'es sûr que c'est toi? Bah oui, c'est moi. Bah oui, quand même. Je comprends rien. Mais sortez de chez moi et ma femme, elle est où? Mais c'est moi ta femme. Tu me reconnais pas quand même? Oulala, je comprends plus rien. Attends, je reviens, faut que j'aille boire de l'eau. Ah là, je comprends rien. Ah non, je me suis même trompé de chemin. Bon bah, je sais pas si ça a marché ou pas. Miss Darkito, alors? T'en as pensé quoi? C'est quand même pas très rassurant. Apparemment, il connaît une Charlotte. Il faudrait en savoir plus. Dis comme quoi, ça fait longtemps que tu l'as pas vue. Je viens plus du tout de ce qui s'est passé. Bon, allez, vas-y. Ok, c'est parti. On y va. Oh là là là. Darkito, tu te souviens plus de moi quand même? Ça veut dire quoi, ça? Je me rappelle plus que tu sois comme ça, Charlotte. C'est vraiment bizarre. Mais tu te souviens de moi, quand même? Tu sais comment j'étais avant. T'avais pas cette voix-là?
Et tu ressemblais pas à ça. Mais bon, c'est bizarre. Et elle est où, Miss Darkito? Miss quoi? Mais c'est moi ta Miss! Miss Charlotte! Comprends pas, c'est bizarre. Et tu te rappelles de où on s'est connus? Je sais plus. Je sais que Charlotte c'était une voisine qui habitait dans le sud, quand j'habitais encore dans le sud de Brookhaven. Mais alors là, si on s'est déjà vu, non, ça me dit rien. C'est bizarre quand même. Je sais que t'étais la voisine, mais on s'est jamais vu tout seul, c'est impossible. Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais, c'est vraiment bizarre. T'es sûr que Miss Darkito, elle est pas là? Mais c'est moi, ta Miss! Je te le dis depuis tout à l'heure, on habite ensemble, on a des enfants, on a même un chien ensemble qui s'appelle Cracotte. Mais comment tu sais tout ça? Et Mini Darkito, il est où? Mini Darkito? Eh ben, il n'existe plus, Mini Darkito, il s'est fait enlever par les aliens! Par quoi? Les aliens? Oh non, je suis dans un monde parallèle. Réveillez-moi, réveillez-moi! Oh non, mais où je suis? Oh non, je comprends rien, Miss Darkito, Mini Darkito! Oh non, non, à l'aide, à l'aide, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, à l'aide! Ok, faut que je prenne de l'air. Oh non, je me sens pas bien! Oh non, je me sens pas bien! Faut m'aider! Mais ça va pas! Pourquoi tu nous fais ça, là? Allez, réveille-toi! Réveille-toi! Eh oh! Il fait exprès, vous pensez? Je vais voir Miss Darkito. Miss Darkito? Il a commencé à gigoter dans tous les sens? Bah, je peux reprendre ma voix, en fait, finalement. J'ai n'importe quoi, moi, je continue avec ma voix bizarre. Il faut que t'ailles voir, je sais pas, il est bizarre, là, il s'est allongé. En plus, je sais pas, il a ouvert sa chemise, je comprends pas, il a chaud, il me dit qu'il a chaud, qu'il est pas bien. Je comprends pas. Va le voir, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment étrange. Il a chaud? T'as bien dit chaud? Je pense qu'il t'aime bien. T'es sûr qu'il veut vraiment rien faire avec toi? Parce que s'il a dégrafé sa chemise, en plus, sur la table, c'est pas bon signe, hein. Et là, il est où? Mais il est encore sur la table, je comprends pas. Mais je sais pas, il a peut-être du mal à respirer. Je vais lui faire un bouche à bouche, je reviens. Ah là 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 là. Je sais pas comment faire. Darkito, tu respires? Bah oui, je respire, mais je suis vraiment pas bien là, je comprends pas. Ah, du coup, je te fais un bouche à bouche ou pas? Bah non, mais ça va pas, mais tu vas pas. Mais on se connaît même pas, mais on va pas se faire un bouche à bouche. Non mais n'importe quoi, mais. Et puis quoi encore? On s'embrasserait? Non mais on s'embrasse pas, on se connaît pas. Mais si, on a dormi ensemble cette nuit, tous les deux. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu me racontes? Oh non, je comprends pas. Mais y'a rien à comprendre, mon petit chou. Te rappelles de la soirée qu'on a passée, de tout ce qu'on a fait dans la nuit? Bah non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais je comprends pas, non mais vraiment, là, c'est vraiment n'importe quoi. Oh là, je suis dans un mauvais rêve. Faut que je me réveille. Mais non, on a fait plein de bisous et plein de câlins. Des bisous? À toi? Mais non, mais... Je fais des bisous qu'à Miss Darkito. Mais elle n'existe pas, Miss Darkito. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh non, je comprends rien, je comprends plus rien. Bon, quand tu voudras, tu me feras un bisou, ok? Non, mais sûrement pas en fait. Miss Darkito, Miss Darkito. Attends, mais je peux reprendre ma voix, mais... Ah là, je commence à prendre l'habitude avec cette voix bizarre. Va le voir, là, franchement, je comprends plus rien. Il commence à halluciner, il me dit que on est dans un monde parallèle et que apparemment, il n'y a pas de Miss Darkito. Enfin, je comprends plus rien. Bon, je vais aller le voir. Qu'est-ce qu'il me raconte? Darkito? Mais qu'est-ce que tu fais sur la table? Et pourquoi t'as dégrafé ta chemise? Mais ça va pas, qu'est-ce que t'as fait? Oh non, j'ai l'impression que tout ça, c'est pas réel. T'existes vraiment? C'est toi qui es là? Ou c'est un rêve? Je comprends rien. Oui, et si tu me racontes pas tout de suite ce qui s'est passé avec la voisine, eh bien, ça sera vraiment un mauvais rêve. Mais la voisine, on la connaît, elle s'est présentée à la maison tous les deux, quand on était tous les deux encore là-bas. Tu te rappelles pas? On avait fait l'apéritif chez toi, et il y a la voisine qui est venue. Et t'étais là, en plus. Non, mais je la connais pas, sinon la voisine, je l'ai jamais vue tout seule, sans toi, jamais. Je comprends rien, je suis dans un rêve. Et c'est qui, l'autre fille? C'est qui, Mini Darkito, il est où? Je comprends rien. Mais justement, la voisine, c'est Charlotte. T'as dormi avec elle? Elle voulait te faire du bouche à bouche? Et toi, comme ça, t'es sur la table, chemise ouverte, et tu crois vraiment que je vais te croire? Bah ouais. Ouais, je te promets que j'ai rien fait avec la fille qui était là. Mais pourquoi elle était là? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Non, mais je comprends rien. Oh non, je suis en train de m'endormir. Oh non, je me sens pas très bien. Oh, piche. Mais il s'est endormi? Bon, je vais aller voir Mille Darkito. Mille Darkito? Mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'il s'endorme comme ça? Bah, rien de spécial. Tu m'as dit ce que je devais faire. Moi, de toute façon, j'ai déjà dormi avec lui. Quand on habitait ensemble, avant, on dormait ensemble. Bah, avec Darkito, on est des amis, quoi. On n'a rien fait. Et puis là, on n'a rien fait non plus. Mais je sais pas, il a commencé à péter un... Ah! Mais oui, c'est parce que je suis peut-être en fille, en fait. Oh. Ah, j'ai capté. En fait, il a cru que vraiment, genre, j'étais sa femme. Oh non! Tu penses? Non, je sais pas. Mais il a rien fait, je te promets, il a pas fait de bisous, rien. Il a pas voulu. Pourtant, j'ai forcé, je lui ai demandé 15 fois de lui faire des bisous.
Et il a pas voulu qu'on fasse des bisous. Tu m'aurais engueulé si on aurait fait un bisou. Ah bah oui, je t'aurais engueulé, c'était pas du tout le but de la mission, il fallait juste savoir s'il était fidèle ou non. Bon, apparemment, il est fidèle. Bon, recharge-toi, Minidar Kito, et surtout, tu lui dis rien, hein. Ok, tout de suite. Attends, je peux me déshabiller devant toi? Ah non, non, attends, je vais pas regarder, moi, je vais partir. Oh, n'importe quoi, qu'est-ce que... Ah bah, c'est pas drôle, bon. Je m'en remets en mini Dark Kito. Ah, attends, là, je suis grand, là. Hop, 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 hop. Tada! Ok. Dark Kito, da, da, Dark Kito, da, da, Dark Kito, da, da, Dark Kito. Réveille-toi. Oh, mais... Mais Dark Kito? Elle est où, Miss Dark Kito? Attends, je vais la chercher. Miss Dark Kito, Miss Dark Kito. T'es là? Mais oui, je suis là. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Dark Kito, tu m'as appelé? Mais ça va? Pourquoi t'es toujours sur la table? Je sais pas. Je me suis endormi, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. C'était vraiment trop drôle. Oh, il y avait une fille, je me suis réveillé, il y avait une fille à côté. Et en plus de ça, elle m'a dit que t'existais pas, que Mini Dark Kito, il s'était fait transporter par des aliens. Franchement, c'était vraiment n'importe quoi ce rêve. Oh, je donnerais tout pour revivre ce rêve. Non, mais c'était vraiment, oh, c'était vraiment trop drôle ce rêve, franchement. Je comprends pas ce qui s'est passé. Oh là 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 là, mais des rêves comme ça, j'en fais mais vraiment des bizarres. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Et en plus, j'ai rêvé d'une Charlotte, la voisine, qui est passée. En plus, elle était blonde alors que d'habitude, elle est brune. Non, mais c'est vraiment trop drôle, franchement. Qu'est-ce que c'est que ce rêve que je viens de faire? Bah non, mais c'était pas un rêve. Bah, c'était moi, la voisine. Je me suis déguisée en la voisine. Et voilà, et Miss Dark Kito s'était cachée pour voir si t'étais fidèle. Mais Miss Dark Kito, si tu parles, t'auras pas tes Robux. Ah oui, pardon. Bon, tu sais quoi, tu me les enverras par la poste. Moi, je m'en vais. J'ai quelque chose à faire d'urgent. Oh là 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 là, mais oh là là, mais là 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 là. Bon, je retourne dormir, moi. C'était n'importe quoi. Oh, je suis fatiguée, il fait jour en plus. Oh, il fait vraiment jour et j'ai même pas dormi de la nuit. Bon, j'espère qu'ils me trouveront une mini Miss Dark Kito pour moi. Ah, oh, ce serait trop drôle, non, une mini Miss Dark Kito. Oh, vous imaginez une mini Miss Dark Kito? Elle aurait la voix genre en mode coucou, c'est moi, mini Miss Dark Kito. Bon, je fais trop mal la voix de fille. Mais bon, c'est pas grave, on va aller dormir, je suis fatiguée. Allez. Bon, mon amoureux, réveille-toi. Bon, en tout cas, je suis super contente. Apparemment, tu es fidèle. Bon, j'espère quand même que ça continuera comme ça. Ah oui, et je m'excuse hein, de t'avoir piqué ton téléphone, d'avoir mis Charlotte dans ton lit, d'avoir dit à Charlotte de faire tout ça. D'avoir déguisé Minidar Kito, bon voilà, je m'excuse. Hein. Non mais si tout ça c'était vraiment réel, j'attends de voir la vidéo quand même, parce que là, ce serait vraiment trop drôle. Oh là là, les abonnés, ils doivent être vraiment morts de rire. Hein. Franchement, faut qu'ils me le disent en commentaire, parce que là, waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Bon, j'espère qu'ils sont tous abonnés au moins. T'étais à combien d'abonnés? Bientôt plus que toi. Mais attends, imagine si je te dépasse. Oh non, attends, c'est pas possible. Ah ouais, ce serait vraiment marrant. Ouais, Tu me dépasserais vraiment? Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Et si? Bon, ben, likez et abonnez-vous tous. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos.